Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous propose une nouvelle couleur modèle nommée Creamy Golden Mustard. N'oubliez pas de vous abonner pour rester informé des prochaines vidéos de couleur modèle et de laisser un like si celle proposée vous plaise. Avant de commencer, faites une demande à votre leader ou vos capitaines de crew pour entrer les valeurs X et RGB sur le Social Club comme indiqué en ce moment sur votre écran ou de leur partager la vidéo. Pour procéder, placez le curseur de votre souris sur le rectangle coloré correspondant à la couleur de votre crew. Faites un clic droit dessus, puis inspectez. Une console s'affichera soit en bas, soit à droite de votre écran. Repérez la ligne Crew Color Value, rentrez la valeur X, puis validez avec la touche Entrée de votre clavier. Repérez la ligne Background Color RGB, rentrez la valeur RGB, validez avec la touche Entrée de votre clavier également. Maintenant, faites sauvegarder ce crew, puis lancez le jeu. Une fois au Los Santos Custom ou chez Beniz, allez sur le menu Peinture. Si votre véhicule dispose de deux couleurs, principale et secondaire, commencez par la secondaire pour appliquer la première couche. Une fois dans le menu couleur secondaire, allez dans Métaux. Sélectionnez Aluminium brossé, vous validez, vous ressortez, vous allez sur Couleur principale, Métaux, Aluminium brossé, vous validez, vous allez sur Métallisé. Vous restez pendant 4 secondes sans rien valider. Vous ressortez et encore, vous allez sur Emblème de crew. Vous appliquez, vous ressortez, vous allez sur Couleur principale, Menu des couleurs nacrées. Vous allez sélectionner la teinte crème. Vous validez, vous ressortez, vous allez sur Crew, vous validez, vous ressortez, vous allez sur Couleur secondaire, Crew, vous validez, vous ressortez. Et voilà, vous avez la teinte Creamy Golden Mustard sur votre carrosserie.